vous en prie. Venez, venez. Alors, vous pouvez peut-être vous mettre, là, il y a peut-être un point de vue sympathique. Vous avez ce qu'il vous faut pour les photos? Oui, pour moi. Okay, ouais. C'est bon pour vous? Allez, on y va. Il n'y a pas de problème, vous êtes super bien. Non, j'ai eu le temps. Donc là, vous aurez plus de lumière. Voilà. Excellent. Voilà. Ok, tout le monde son gilet jaune. L'acte symbolique, c'est sortir le président Emmanuel Macron de ses institutions en sortant le portrait symboliquement aujourd'hui de cette mairie. Nous, c'est des actions qu'on fait en réponse à la réponse du gouvernement à la pétition L'Affaire du siècle, dont vous avez sûrement entendu parler, une pétition portée par 4 ONG qui avait rassemblé plus de 2 millions de personnes, qui demandait au président des mesures fortes, des engagements concrets et radicaux en matière de justice climatique. Et aujourd'hui, le président et son gouvernement, en plus d'être en deçà de ce qui est attendu, a préféré balayer d'un revers de la main cette pétition et ignorer, en disant qu'ils font déjà bien assez par rapport notamment aux autres pays européens. Donc ils préfèrent niveler le débat par le bas. Donc aujourd'hui, nous sortons le portrait d'Emmanuel Macron de cette mairie pour lui montrer plusieurs choses. Déjà que le dérèglement climatique a d'ores et déjà commencé. Ce n'est pas une chimère lointaine ou une menace très lointaine. Les premières catastrophes sont déjà présentes partout dans le monde, sur plusieurs continents. Elles ont déjà touché plusieurs populations. Et on le sort aussi pour lui montrer qu'on est là. Notre détermination, la clameur populaire, puisqu'il semble l'ignorer malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, malgré tous les gens qui sont dans la rue, qui s'opposent à ces politiques, en particulier les gilets jaunes, mais aussi bien d'autres. Donc voilà, on va lui montrer un peu tout ça et que nous sommes déterminés.